It all started when four guys put a motor in a frame and took off to see how far they could go. The revolution's been rolling ever since. 115 years later, a new wave of freedom is rolling into the world. 9 totally reinvented Softail models, each one with a custom attitude and a ride all its own. Welcome to the next Custom Revolution. All free spirits are invited to take a test ride. Nous sommes à Poitiers chez Harley Davidson, c'est Philippe Chasseline qui nous accueille. Dans l'émission, on va vous proposer un essai de la nouvelle Sport Glide. Et en parlant de sport, on est à côté du circuit du Val-de-Vienne. On accueille Greg Black qui habite juste à côté. Et puis, on va parler de la vraie aventure avec un vrai aventurier, Eric Lobo. Sans concession, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Le principe, c'est de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas à le faire pendant toute l'émission. Suivez-moi. Nous sommes donc chez Route 86 à Poitiers avec Philippe Chasseline. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David. Bienvenue dans le Poitou-Charentes. Merci, c'est un plaisir. Sandrine Goyot est aussi avec nous. Sandrine, directrice du chapter Val-de-Vienne, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes la seule directrice de chapter Harley-Davidson en France ? En France, oui. Et je crois même en Europe, je ne suis pas sûre, mais il me semble. C'est un plaisir de vous accueillir. Avec nous également, Eric Sélis, qu'on ne présente plus. Salut Eric. Bonjour David. Bonjour. Enchanté. Donc, on est dans le Val-de-Vienne, Philippe. C'est une terre de motards pistards un peu. Il y a un circuit dans le Val-de-Vienne. Oui, tout à fait. Il y a un circuit qui est à 45 minutes de Poitiers, où les gens de la région, mais très grande, puisque ça monte jusque dans l'Indre, limite Bretagne, Vendée, viennent se retrouver ici régulièrement pour faire du circuit. Et moi-même, de temps en temps, bien sûr, on va user des sliders au Vigeant. Sur des Harley ? Non, pas forcément. Pas forcément. Ouais, c'est pas forcément moto. Des motos sportives non, que tu vends. Non. Il y avait le XR 1200 a été une moto avec laquelle j'ai roulé sur circuit. La Buell aussi, d'un certain nombre d'années, j'ai roulé sur Buell. Et puis malheureusement, la vie et l'histoire fait que Buell n'existe plus. Harley ne sort plus de moto réellement adaptée à la piste aujourd'hui ou qu'on peut transformer pour la piste. Moi, j'ai déjà roulé sur un Street Glide en Pro Twin. Et puis, Il y a eu une coupe Harley. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une coupe Harley qui avait été organisée par La Rivière. Et ça avait plutôt rencontré un beau succès à l'époque. Et puis, le Dirt Track, compétition Harley, là, ça revient fort aux États-Unis, bientôt en France. Philippe, quelle est la clientèle Harley-Davidson un peu ici ? Qu'est-ce que tu vends comme modèle le plus ? Un petit peu tout. Le plus, c'est ce qu'on appelle la Dark Custom. Puisque ça nous permet de rencontrer des jeunes qui viennent, soit des anciens skateurs ou des gens qui viennent du BMX ou de la DH, de descente en VTT, puisqu'on est à 2h30, 3h des montagnes d'Auvergne. Donc de plus en plus de jeunes, des gens qui ont envie de rouler d'une façon différente avec des motos de caractère. Et puis le gros atout que nous avons, c'est qu'on peut adapter la moto à chaque personnalité. Donc que ce soit avec le Dark Custom, soit chopper, soit café racer, soit bobber, enfin bref, à toutes les sauces, et ça marche vraiment bien dans la région. Aujourd'hui, on a des moteurs qui sont tout à fait dans l'air du temps, l'injection, le contour, l'ABS, on n'a pas d'antipatinage, mais ça ne saurait tarder, on a été les premiers à avoir un système infotainment donc de divertissement aussi sur nos motos avec le GPS intégré, avec comme un petit écran de télé sur nos machines. Donc il y a vraiment une évolution et les clients nous ont suivis. Sandrine, le chapter est composé de quel type de motard Harley ? Alors on a tout type, on a des plus jeunes ou un peu moins jeunes, mais des gens qui ont envie surtout de partager leur passion et de les vivre ensemble. Donc, puisqu'on organise quand même pas mal de sorties. Lesquelles alors ? Donc on fait des sorties en région ici sur une journée. Mmh. On commence de mars à octobre inclus. Et ensuite on fait des sorties un petit peu plus longues. On va en faire une cette année dans le golfe du Morbihan. Ensuite on fait une sortie donc, sur Grimaud pour Harley. À l'Eurofestival. D'accord. Et on va surtout, donc, l'événement de l'année, c'est pour le 115e anniversaire de Harley, on va à Prague.
au mois de juillet. Alors, oui. on a essayé une moto emblématique, une version Glide, la nouvelle Sport Glide qui sort en 2018. On a essayé cette moto, on en parle tout de suite. David, tu viens de faire un essai de cette nouvelle Sport Glide, tu en penses quoi ? Eh bien, j'en pense que j'ai eu plaisir à retrouver le moteur Milwaukee 8, le 107. On ne sait pas si c'est une glide ou un bagger, une street glide ou un bagger, parce que bon, là, la bulle, c'est quand même... J'espère qu'il y a une option haute quand même. Alors, Davidson nous habituait à nous sortir régulièrement des accessoires supplémentaires à pouvoir proposer à nos clients. Bon, l'autre intérêt, c'est qu'on peut l'enlever aussi. Ouais, on l'enlève en un tour de main. C'est oui, vraiment c'est quelques secondes. Facile, c'est un clip, ça s'enlève. Et donc là, on se retrouve avec une machine complètement différente. Dénudée, on peut enlever également les sacoches. Donc en fait, c'est une moto un petit peu comme un couteau suisse. Nouveauté sur ce type de moto, tu as une fourche inversée qu'on n'a pas habituellement. Donc, d'où le sport. Et puis tu as dû ressentir le dynamisme qu'elle a par rapport aux autres Softail. C'est une moto qui va où va les yeux. Bon, c'est pas une moto de piste, mais. C'est le nouveau cadre Softail en fait. Très joueur. Avec cette puissance à bas régime, avec ce moteur qui n'a plus de trou. Alors moi je trouve le freinage un petit peu. Qui manque un petit peu de mordant. C'est la seule vraie critique, parce qu'après le moteur, effectivement, il pousse, il y a du couple, il a du caractère ce moteur, ce Milwaukee 8, il est vraiment pas mal. Et puis elle se manie super bien avec une position de conduite qui revient bien sur le. Qui n'est pas fatigante comme un Fat Bob par exemple. Oui. Par contre pour les freins, on est pistards tous les deux. Tu sais bien qu'on n'utilise pas trop le frein arrière, on est toujours sur le frein avant. Ouais. Et si on réajuste un petit peu avec l'arrière et avec le frein moteur, on arrive à avoir quelque chose, on va dire, d'acceptable. Bon, maintenant c'est une Harley Davidson, c'est pas une moto de piste. L'essence de cette moto, c'est pas de rouler. Enfin, c'est de rouler vite, confortablement et avec de la sécurité. Et la finition est pas mal, hein, avec les jantes qui sont vraiment très belles. Et en plus qui sont valorisés, parce que comme il n'y a qu'un disque à l'avant, justement, le design est... le design. Et puis ce mix entre glide et bagger me plaît pas mal. Oui, moi aussi. Merci. Le prix de ça ? 19 000 euros environ. 19 000 euros ? Bon, on réfléchit un peu. Oui, mais on est dans le prix du marché par rapport à d'autres marques. Hein. Les Sport Glide, les Street Glide, tous ces modèles-là, est-ce qu'il y a beaucoup de motards dans le chapter qui roulent avec ? Oui, il y en a beaucoup. Alors, ça va aussi quand même des plus petites, comme la 750, moi la première, hein, parce que je roule aujourd'hui en 750. Et, mais effectivement, jusqu'au Road Glide, etc. Donc oui, il y a vraiment une diversité et des motards et des motos. À l'instar du marché, Harley-Davidson enregistre des immatriculations stables en 2017 autour des 8200 machines vendues. Il reste le cinquième constructeur français. Côté concurrence, Harley a encore de la marge sur Indian qui vient seulement de dépasser pour la première fois les 1000 exemplaires vendus sur un an. Quatre modèles figurent dans le top 120 des ventes établies par l'officiel du cycle et de la moto. L'Iron 883 qui arrive en 32e position avec 1020 exemplaires, la 48 qui la suit en 34e position, et plus loin dans le classement figurent la Roadster 83e et enfin la Street Glide Special 93e. Concernant 2018, vous aurez l'embarras du choix puisque Harley-Davidson propose pas moins de 197 modèles en catalogue. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que chez Harley-Davidson, il n'y a pas de moto en dessous de 750 cm3 et Harley n'est pas présent dans bon nombre de segments. Merci. On passe tout de suite au top et au flop. Le top avec le French Riviera Motorcycle Film Festival, j'ai réussi à le dire. Ça se passe à Nice, début mars, avec pas mal de films en compétition. C'est Olivier Wagner
qui organise ça, et on a hâte de voir les candidats à ce genre de film. On en a beaucoup, on a Burnout qui est sorti, mais ça c'est un film, je pense que ça va drainer, parce que Burnout, il y a une super critique qui est vraiment unanime, et je pense que ça va faire du bien aussi au film moto et à la moto en général, parce que moi j'ai vraiment été étonné des critiques, même dans des quotidiens qui même sont... dans Télérama qui a eu une... Télérama était plutôt sympa, Le Figaro a eu une superbe critique autour de ce film-là, et je pense que ça c'est bien parce que ça va peut-être faire un peu bouger les choses. En parlant de films, justement, Harley Davidson apparaît dans de nombreux films. Évidemment, on pense tout de suite à Easy Rider, mais il y en a d'autres. La Grande Vadrouille, non ? Non. Non, non, Eric. Non ? On coupera pas ça au montage. Il me semblait. Non. Il n'y avait pas 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ aussi, avec Coluche. Ouais. Ça y est, ça part. Coluche, amateur de moto, hein, quand même. Et il en Avec Harley Davidson, c'est Johnny Hallyday, quand il est parti, les obsèques de Johnny Hallyday. Il avait l'habitude d'aller aux États-Unis. Il avait l'habitude de faire des road trips en Harley. Vous en avez pensé quoi de cette polémique par rapport au fait que ça avait été accaparé par Harley Davidson, cet événement ? Alors, après en avoir discuté pas mal avec Stéphane Saakian, puisque ça fait quelques années qu'on se connaît, je pense que c'est peut-être un petit problème de communication, parce que ça n'a pas du tout été accaparé par Harley Davidson. En fait, Johnny Hallyday et Harley Davidson est indissociable. On sait tous que Johnny n'avait pas que des Harley Davidson. En revanche, on sait tous aujourd'hui, y compris le ministère de l'Intérieur et ainsi de suite, que Stéphane organise des mouvements européens comme Grimaud, comme Morzine, où on a 50, 60, 70 000, 80 000 motards qui viennent à la grand-messe Harley-Davidson. Et ils ont trouvé peut-être plus simple de faire appel à Stéphane pour organiser la parade de motos autour de le cortège, autour de cette inhumation. Où tout n'a pas été dit, c'est que, bien sûr, les inscriptions se faisaient auprès des concessions nationales, plutôt parisiennes, mais également nationales, puisqu'on en a eu de Poitiers qui sont venus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on acceptait toutes les motos. Et pas seulement les Harley, parce qu'il s'est dit, les FFMC a notamment communiqué sur le fait qu'il n'y avait que les Harley qui étaient acceptés. Bien évidemment, mais majoritairement, ça c'est faux. C'était quand même des Harley. Hein, oui, majoritairement. 95%. Oui, c'est vrai, mais si vous avez bien regardé le cortège, il n'y avait pas que des Harley Davidson. Ouais, il y a quelques, à mon avis, il y a quelques reskieurs qui se sont introduits dans le cortège, parce qu'il y avait des scooters, il y avait des choses comme ça. Ça a été quand même mal perçu. Je pense que, on peut être plus ou moins d'accord avec les propos de la FFMC, mais visiblement, ils étaient prêts à aller à la préfecture, ils étaient dans les bureaux, et visiblement, quand l'organisateur de Grimaud, etc., est sorti, on leur a dit, bah non, maintenant c'est bon, c'est verrouillé, on n'a pas besoin de vous. Ça a peut-être été un peu mal perçu. Ce qui a surtout été mal perçu, et comme le disait David, c'est qu'on a vraiment eu l'impression qu'il y avait une récupération commerciale, et dans ce genre de cérémonie, même si effectivement Harley Davidson a été, pendant une partie de la vie de Johnny Hallyday, indissociable, ça a été un petit peu mal perçu. C'est pour ça qu'il y a eu une mauvaise communication autour de ça, parce que c'est pas Harley Davidson qui était au devant pour dire ben voilà, on s'en occupe, c'est l'État, le ministère qui a appelé Stéphane et qui lui a demandé de le gérer pour eux. C'est tout. Sandrine, un petit mot sur le... Oui, moi en complément, je dirais que comme le nombre de places était limité donc, pour le cortège parisien, nous on l'a fait, il y a eu différents événements en région. Vous l'avez fait ? Oui. Nous, on a fait un événement ici, mm-hmm. on l'a organisé et effectivement, on n'a pas communiqué qu'au sein d'Harley. On a étendu aussi au niveau des autres motards et on était à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on avait à peu près la moitié en Harley Davidson et l'autre moitié en d'autres marques réellement autour de Johnny. C'est ouvert, d'accord. Mm-hmm. On termine les flops. Là-dessus, on passe tout de suite à la rubrique Technoshop avec Valentin qui va nous parler de Waze et de Google. Alors pour cette émission, j'ai décidé de parler d'un GPS et un en particulier, l'application Waze. Normalement, ce nom, il doit vous dire quelque chose, hein, parce que ce GPS communautaire gratuit est disponible sur la plupart des smartphones. Il est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Son gros point fort, c'est qu'il intègre directement aux itinéraires une foule d'informations relayées en temps réel par les utilisateurs. Ça va être l'état du trafic notamment, les zones de danger, les modifications ou les fermetures de route, etc. Et si comme moi, vous l'utilisez en deux roues, et ben vous serez heureux d'apprendre qu'il existe désormais un mode moto. Alors pour l'activer, c'est très simple, il vous suffit d'avoir la dernière version de l'application et de vous rendre dans les paramètres. Et le gros avantage de Smooth Moto, c'est qu'il va vous permettre d'être beaucoup plus précis sur vos temps de parcours en vous faisant prendre un itinéraire bien plus direct, notamment en considérant que les bouchons ne vont pas vous ralentir. Et ça, c'est plutôt sympa à l'usage.
Il existe aussi une autre application GPS qui vient de recevoir un mode moto, c'est Google Maps. Le seul petit bémol, c'est que pour l'instant, c'est réservé uniquement à l'Inde. L'Inde qui compte quand même 80% d'utilisateurs de deux roues sur tout son parc roulant. Hein. Donc c'est sûr que ça leur fait du monde à toucher. Mais bon, quand on sait que Waze appartient depuis 2013 à Google, eh ben, y a des chances que cette fonctionnalité arrive aussi sur Google Maps en Europe très bientôt. Le débrief sport avec un invité de la région, Greg Black, est avec nous. Bonjour David. Greg. Bonjour Eric. Bonjour Greg. Tu es d'où exactement ? T'habites où ? J'habite dans un petit village qui s'appelle Yes, qui est à une quinzaine de kilomètres du circuit du Val-de-Vienne. Et qui s'appelle comment ? Yes. Yes ? Mais t'es britannique. Ouais, je suis anglais, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Ça va le faire quand même. Venir dans le Poitou et habiter à Yes. Ouais, c'est pas mal. Ça fait combien de temps que t'habites ici, Greg ? Depuis l'âge de 3 ans, donc ça fait un bon bout de temps maintenant. Tu es le nouveau pilote officiel du CERT, donc c'est un retour chez Suzuki pour toi. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai commencé mes débuts en endurance en 2009 avec le RAC 41 en tant que pilote Suzuki. Et ensuite, j'ai intégré le junior team en 2014-2015. On a été champion du monde en stock et j'étais champion de France en superbike en stock aussi. Et pour finalement maintenant revenir chez Suzuki dans la meilleure équipe pour moi qui est 15 fois champion du monde, le CERT. Donc une très bonne équipe et une très bonne aventure pour moi. Tu es plutôt vitesse ou endurance ? Faut choisir. Il faut choisir. Honnêtement, la vitesse, c'est plus agréable, c'est les courses courtes, on peut vraiment attaquer, on sait que ça tient qu'à nous-mêmes de réussir. Après, l'endurance, c'est quand même un très bon esprit, puisque c'est des courses qui sont longues, physiquement c'est difficile et mentalement aussi, et c'est quand même un défi à relever pour finir ses courses et arriver à un bon résultat. Tu es un spécialiste des départs, à chaque fois, à chaque départ de course de 24 heures, tu es devant. Ouais, c'est vrai que j'ai fait quelques all-shots depuis mes débuts en endurance, que ce soit pour les courses de 24 heures ou de 8 heures. On va dire que les deux spécialistes qu'on a pu voir dans les journaux les derniers temps, c'était Vincent Philippe qui est là depuis des années et moi. Maintenant, on est dans la même équipe, donc c'est vrai que pour l'instant, à la première course au Bol d'Or, c'était la première course au CERT. Vous allez tirer au sort ? Non, on n'a pas tiré au sort. Le CERT, on choisit Vincent vu qu'il a l'expérience dans l'équipe et moi, j'étais nouveau à la première course. Mais ça ne serait tardé. Ça, ouais, Vincent, tu as roulé aussi avec au Super Prestigio à Barcelone. Tu y étais au Super Prestigio. Raconte-nous un peu. J'ai accepté le défi en sachant que je ne connaissais pas du tout la discipline. Je n'avais jamais fait cette discipline particulière. Et tu as été très bon. Oublie ta modestie, dis-nous, tu as été en tête. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'était difficile d'apprendre. Heureusement, on avait un coéquipier qui est spécialisé dans la discipline, Gérard Bailo, qui est pilote espagnol, qui est vice-champion d'Espagne, et qui était là-bas pour nous expliquer un petit peu la technique qu'il faut utiliser, qui est vraiment particulière. Les deux courses où on devait finir les deux premières places, je me suis accroché. Pour finalement être en repêchage. Et là, tu t'es fait disqualifier. Voilà, je me suis fait disqualifier de la course. En fait, à la course, je suis passé en tête au dernier virage devant Ruben Xos, mais finalement, il n'était pas très content de mon dépassement. Il paraît que vous êtes devenu amis depuis. Ouais, depuis, on est. Bon, je pense que vous avez échangé. Mais pas que des cartes de visite. Voilà, pas que des cartes de visite, on va dire ça. C'est ce qui arrive toujours dans le Super Prestigio. On a vu des passes d'armes Marquez-Brad Baker. Tout à fait. Je pense qu'en Super Prestigio, autrement pour doubler, possible. On n'a pas de frein avant. Faut le rappeler quand même. On n'a que le frein arrière. Et on est sur la terre battue, donc ça glisse avec des pneus pluie. Et sinon, ton pilote préféré ou celui en tout cas qui t'a peut-être tout simplement donné envie de faire de la moto ? On va dire que mon pilote préféré, ça reste une référence pour tout le monde, c'est Valentino Rossi, puisque je trouve que c'est admirable ce qu'il fait. Ah, c'est du politiquement correct, ça. Hein, voilà, non, mais après, bon, tu vas être réinvité au Super Prestigio ou au Ranch. Ouais, au Ranch peut-être, au Super Prestigio, je pense pas, chez Marquez. Donc, ouais. Et chez Exos. Ouais, chez Exos, ouais, du coup, pour le coup. Donc, c'est... Valentino... Ça se passera en France l'année prochaine. Donc, exactement, donc c'est une bonne nouvelle pour la France. Donc ça va se faire au URNA l'année prochaine. Donc on a hâte d'y être et moi peut-être d'être invité à nouveau, je l'espère. Alors, le championnat d'Espagne, justement, Tech 3 est impliqué en championnat d'Espagne avec Hector Garzo. Ils ont un châssis Tech 3. Ils sont impliqués aussi en championnat du monde Moto 2. C'est un véritable défi que relève ce team. Michel Turcot est allé chez Tech 3 interroger Hervé Poncharal et Guy Coulon sur les difficultés et les perspectives qu'offre le Moto 2. Alors oui David, le Moto 2, une bonne école, ben aujourd'hui c'est clair, quand la catégorie a été créée en 2010, tout le monde doutait un petit peu de la,
de la pertinence de ce changement, puisque tout le monde allait se retrouver avec des moteurs identiques, des moteurs de série en plus de 600 Honda, avec Marquez passé par là, avec même on a eu un Stéphane Bradl qui a lui aussi brillé en MotoGP, Juan Zarco aujourd'hui qui est double champion du monde Moto2 et qui arrive en MotoGP et qui casse la baraque. Donc en termes de pilote, le Moto2 est une bonne école, les champions qui sont passés par là en attestent. Et on peut dire aussi que le Moto2 est une bonne école pour les équipes. Et là, l'exemple, c'est Tech3, puisque Tech3 fabrique son châssis. Et en fabriquant son châssis, c'est ce que nous expliquent aussi Guy Coulon et Hervé Poncharal, l'équipe technique a beaucoup appris. Et ce qu'elle a appris en Moto2, elle peut le mettre en pratique en MotoGP. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette année, enfin en tout cas l'an dernier, Johan a brillé avec sa Yamaha et des réglages qu'il était le seul à utiliser. Le Moto2, c'est très très compliqué parce que toutes les machines sont excessivement proches. On le voit, on se bat des fois à 3 dixièmes, on est 15e sur la grille. Il y a eu des modes, entre guillemets, puisque c'est toujours la machine qui a gagné l'année précédente, qui a la faveur des équipes et des pilotes, qui sont les pilotes les plus performants et les équipes les plus fortunées. Donc on a eu une domination Sutter qui a été suivie au début par Moriwaki, qui a été suivie par Sutter. Et après qui a été Calex. Maintenant on voit se poindre une domination qui peut devenir d'ici 2 ans une domination KTM. Donc il y a eu des époques. Nous, étant une équipe à la base, une équipe de compétition, qui a décidé de se lancer dans ce challenge parce qu'on pensait que Guy Coulon, et je pense toujours, est largement capable de faire une machine performante, n'ayant que 2 motos, c'était un petit peu plus compliqué à séduire des équipes de pointe avec des pilotes de pointe. Est-ce que le championnat du monde Moto2, c'est l'antichambre du MotoGP? Est-ce que c'est la rampe d'accès du MotoGP? Comment tu le perçois? Est-ce que c'est le plus haut niveau derrière le MotoGP, le Moto2? Pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un très haut niveau en Moto2, ce qui est normal. Il y a énormément de budget, énormément de partenaires qui font que le niveau est très relevé et beaucoup de très bons pilotes. Mais il y a aussi d'autres catégories, que ce soit le Super Sport mondial, le Superbike mondial, où il y a des très bons pilotes, où ça roule très vite aussi. Ouais, le problème, enfin aujourd'hui, c'est la filière logique parce que c'est dans le giron du MotoGP et qu'on le sait, les catégories n'aiment pas se regarder entre elles. C'est-à-dire que on est sur du MotoGP, on regarde ce qui se passe dans le Moto2, éventuellement dans le Moto3, mais le MotoGP va pas regarder sur le Superbike et le Superbike mondial va pas regarder ce qui se passe sur l'endurance. Et on le voit aujourd'hui. Enfin, je pense que Greg, il peut aussi en parler. On a eu quelques transferts entre pilotes, anciens pilotes de MotoGP qui viennent sur l'endurance, qui ont redonné un petit peu d'intérêt. Et là, comme par hasard, cette année, on se retrouve avec toutes les dates en endurance qui sont en concordance avec le Superbike. L'âge est très important pour les recruteurs en MotoGP. Bien sûr, c'est un sport où il y a énormément de jeunes pilotes, surtout en MotoGP, puisque les pilotes aujourd'hui commencent à rouler très jeunes en Moto3 et en Moto2, et on en voit de plus en plus des jeunes pilotes en MotoGP. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant quand même quand on est pilote comme toi, tu le sens, tu le connais ton niveau, est-ce que ce n'est pas frustrant de ne pas avoir accès au Grand Prix plus facilement? Oui, tout à fait, c'est frustrant de ne pas pouvoir voir son niveau. Ou comme Lucas, qui est ton niveau. Ami. Oui, on roule beaucoup ensemble, on a un niveau qui est, je pense, bon. Lucas est champion du monde cette année en super sport. Peut-être qu'il a une place en Moto2, en MotoGP. Le problème, comme je disais, c'est les pilotes, c'est être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et ça fait les places. Merci Greg, merci beaucoup d'être venu. Jonathan Ray est un gros freineur. La transition est trouvée pour la rubrique Web Atelier, notre nouvelle rubrique Web Atelier qui va parler du freinage. On regarde tout de suite. Bonsoir tout le monde, bonsoir David. Sur les contrôles à effectuer sur le système de freinage, il y a forcément les plaquettes, mais on va aussi avoir l'état des disques, l'état des durites de frein, on va avoir le liquide de frein et pour les modèles à ABS, il va falloir faire un branchement à la valise. Le point négligé, c'est forcément le liquide de frein. Sur une Stinger qui a 5 ans, on se retrouve avec une couleur et des bouts qui sont vraiment intenses. Alors c'est la même chose au niveau de l'embrayage. Hein. On est exactement même punition. En fait, il faut le remplacer tous les 2 ans. Regardez la différence entre de l'usager et du neuf. On est sur une Vestrom 1000 avec une purge qui vient d'être effectuée. Donc forcément, on a le liquide qui est propre. Et on a le niveau ici avec la petite bulle en haut. Ça, c'est parce que les plaquettes sont neuves. Quand les plaquettes vont s'user, le liquide va descendre et du coup, le volume va partir en bas dans les étriers.
Sauf que si on se retrouve avec la même chose ici sur l'embrayage, on a une purge qui a été faite, or on a une fuite au niveau du liquide. Comme c'est un circuit fermé, ça veut dire qu'il va falloir réparer la fuite qu'on a avec justement le liquide qui va partir pour pouvoir avoir un liquide qui est constant et qui est toujours au même niveau. Alors, sur une moto ABS, on a forcément besoin d'une valise de diagnostic parce qu'avec cette valise de diagnostic, on va pouvoir du coup activer au niveau électronique tous les modules et les capteurs en fait de l'ABS. Et du coup, on va pouvoir faire une purge efficace au niveau du circuit de freinage. Merci David, merci à tous. Hey, salut David. Adrien. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, bien. Ça va. Je vois que t'as apporté un casque, toi aussi. Ouais, c'est pas tout à fait le même, mais on peut essayer... Non, c'est pas tout à fait le même, et je voudrais te faire essayer justement un autre type de casque sur le jeu SBK officiel en VR. Est-ce que t'es prêt à relever le défi sur la piste en virtuel? Ouais, pour la protection, pas de problème, quoi. À tes risques et périls. C'est pas le même casque. Bon alors, le casque? Ah, le casque, écoute, c'est comme un casque de moto, tu peux l'enfiler sur la tête. Ok. Vas-y, tu mets bien devant les yeux et tu vas arriver dans un autre monde virtuel. Attends. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la réalité virtuelle, il met un casque dans lequel il est complètement immergé dans une bulle. Est-ce que t'es bien en immersion? Putain, c'est bien. Donc c'est le championnat de l'an passé, hein. Donc course rapide. C'est ça, c'est 2016. Allez, je prends Manicor, c'est là où j'ai le plus de chance. Bon là, ça charge, hein, comme dans un jeu vidéo normal, l'environnement c'est tout gris. Ah ouais, d'accord. Alors là, je change de vue. Ah ouais, je suis à bord de la moto. Il n'y a personne derrière moi, je suis dernier. Et t'es dernier. On va tester tes talents de pilote en virtuel. Ah ouais, on voit la bulle. Incroyable! Putain, je suis sorti. Ok. Ah, ça y est, je suis plus dernier. T'as l'air un peu d'un extraterrestre, hein, comme ça. Hein. Ça fait plaisir. Donc là, j'arrive à Adélaïde. Et voilà, j'ai percuté je sais pas qui et je suis par terre. Ah, ça y est, j'ai repassé quelqu'un au 180. Ouais, c'est un peu brouillon, hein, je reconnais. Bon là je connais, je vais tirer tout droit. C'est parti. Alors la piste, tu trouves qu'elle est fidèle quand même à la vraie? Je trouve que les longueurs de la piste sont pas tout à fait les bonnes. Les virages non plus. La ligne droite est plus courte qu'en vrai. T'es pas trop déçu? T'aurais pu m'en voir d'un peu plus. Attends, je suis dans mon deuxième tour. Ouais, je reconnais pas tout à fait le circuit en fait. Ouah, ça me donne la nausée un peu. Waouh. Ah ouais. C'est justement les inconvénients des fois de la réalité virtuelle, c'est qu'au bout d'un moment, ça me donne vous avez un peu de nausée. Alors là, je freine. Ouais. Et quand je freine... Ah si, c'est pas mal. Là. Allez, le château d'eau, dernière portion du circuit. Oh là là. Est-ce que t'as mal physiquement? C'est pas si immersif, hein. Allez, ça y est, j'ai terminé mon deuxième tour. Waouh. Ah, alors... Est-ce que c'est aussi éprouvant qu'un bol d'or? Alors David, en conclusion, est-ce que tu échanges ton casque contre celui-là? Ah, je crois pas, je vais garder celui-là. Je pense que je suis plus en sécurité avec celui-là qu'avec celui-là, ça me fait flipper. C'est un comble. Ça me fait flipper. Non, mais comme je te dis, non, je suis impressionné parce que l'immersion est vraiment totale. Mais je préfère l'immersion sur la moto. Très bien. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, j'ai gardé celui-là. Ouais. Tu vas garder celui-là. Ok, on y va, échange de bons procédés. On sera une compétition à l'occasion, plutôt en virtuel. Je t'emmènerai à Manicourt. Ah, bah, avec plaisir. Ok, ça marche. Je ramènerai mon casque et tenue. À bientôt, David. Merci. Salut. Pendant que David repart dans le monde réel sur sa moto, moi j'en profite pour vous rappeler que l'excellent SBK officiel est disponible en 2D sur iOS et Android et en réalité virtuelle sur la plateforme de Google Daydream et le Gear VR de Samsung sur l'Oculus Store. C'est développé et édité par Digital Tales, ça coûte environ 4€, mais les graphismes sont excellents, sont fluides. Personnellement, je trouve que ça donne très peu la nausée comparé à d'autres jeux de simulation. C'est également sous licence officielle, donc vous aurez les vrais noms des pilotes, les circuits reproduits plus ou moins fidèlement. Seul petit bémol, pas de garage, pas de customisation de véhicule, mais quand même, ce sera pour moi un 9 sur 10. Je roule maintenant
à 120 km/h sur cet océan de glace et trace de larges courbes comme un surfeur des neiges balançant ma moto de droite à gauche, comme si maintenant plus rien ne pouvait m'arriver. On passe au débat et on a la chance d'avoir un vrai aventurier et c'est le thème de notre débat, les vrais aventuriers. Bonjour Éric Lobo. Bonjour David. Tu vas bien ? Super. Merci d'être venu jusqu'à Poitiers. Tu as l'habitude de faire des kilomètres. Oui, c'était sur la route. C'est une aventure. Donc tu es venu avec ta moto. Tu as amené ta moto ? Oui, j'ai amené ma moto. Tout simplement parce que j'ai des présentations à faire sur Paris. J'ai passé tout l'été aux États-Unis et au Canada pour côté francophone, pour présenter justement la dernière aventure dont une partie se déroule sur leur terre, et plus particulièrement sur leur terre lointaine du nord, du Grand Nord, et qui se déroule notamment dans les territoires du Nord-Ouest et le nord du Yukon sur les parties glacées de l'océan Arctique. Donc l'intérêt effectivement de cet endroit-là et ce défi, c'était d'aller rouler sur cette route où on voit généralement circuler quelques convois de l'extrême. Et je trouvais intéressant, par rapport à mon histoire, de le faire en Harley-Davidson. Et les températures mesurées, ça va jusqu'à moins 57, moins 60. Et tu as roulé par ces températures ? Non. J'ai pas eu cette chance, c'était un peu je pensais défier ces températures-là et je suis descendu à des températures de moins 45 sans le... Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Et avec la vitesse de la moto, ça fait combien ? Sans les effets du refroidissement éolien qui sont mesurés sur sur un thermomètre. J'ai un thermomètre de trucker là, qui mesure l'incidence du refroidissement éolien et qui descend la température. Au maximum de ce que je peux mesurer, c'est moins 70. Donc je pense que d'après les tableaux que l'on a, j'ai peut-être approché jusqu'à moins 75, moins 80 peut-être. Ta moto, tu as dit que c'était une Harley, c'est quoi la base et quelle a été la préparation ? Est-ce que ça a été est-ce que déjà l'aventure démarre pas à ce moment-là quand tu dis je pars avec une Harley ? Oui, en général, les gens pensent qu'une Harley, c'est pas une moto suffisamment fiable, suffisamment solide. Moi, j'en ai déjà fait de l'expérience sur un premier tour du monde à travers la Sibérie en 2010-2011, où effectivement, j'ai ramené des histoires, des anecdotes et puis des images incroyables. Partir avec une Harley, moi ce qui m'intéressait c'était de partir avec quelque chose qui me ressemble et j'aurais pu prendre une GS 1200, j'aurais pu prendre une moto peut-être plus légère ou plus adaptée, je dirais à la limite celle qui va permettre de tout franchir, c'est plutôt une 125 qui pèse 80 kg qu'on va pouvoir porter sur son dos. Elle pèse combien ta Harley ? Là celle-ci, comme ça, elle pèse à peu près 430 plus les bagages, il y en a à peu près pour 500 kg plus moi ça fait 600 quoi. Donc, Et le modèle, c'est quoi à la base ? Alors, le modèle, c'est un Street Bob, donc un modèle qui est fait pour la ville, pour montrer ses chromes sur la Côte d'Azur et ailleurs. Mais c'est une moto qui me paraissait intéressante, justement parce que le fait qu'elle soit suffisamment dépouillée me permettait, moi, d'y adjoindre des prestations qui puissent me permettre d'avoir une moto flexible. Dans le principe, c'est-à-dire pour moi une moto flexible, c'est j'ai pas monté une moto pour aller rouler sur Mars. Je suis parti avec une moto qui me permettait d'aller partout et qui, au fur et à mesure de l'avancée, de ce que j'avais à franchir, je pouvais éventuellement l'adapter. Moi, je viens du monde de la finance immobilière, donc le fer à souder, la lampe à souder, à braser, couper de la ferraille, c'est pas mon truc. Mais quand vous êtes suffisamment motivé pour une aventure, une vraie aventure, je crois que c'est la fin justifie les moyens. Les moyens. Ça m'a permis de monter, de fabriquer mes skis, de les construire, de les tester. Et ça, c'est intéressant parce que cette expérience sur le grand froid de pilotage de 10 000 km sur la glace,
sur la glace et la neige vous développe certaines capacités de douceur dans le pilotage, parce que dans pilotage sur glace, c'est spécial quand même. Hein. Ouais, et cette moto, là, elle a combien de kilomètres, ta moto? Alors, la réponse que je donne à tous ceux qui me la posent, je réponds, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, d'accord. Mais alors, ça fait combien de kilomètres? Elle a 2 ans, bon, ça fait 75 kilomètres. 75 000 kilomètres, mais sur les 75 000, il y a 50 000 d'un tour du monde. Et cet été, j'étais donc en tournée au Canada et aux États-Unis, et j'ai fait 16 000 kilomètres en 6 semaines. Et 16 000 km, ça c'est en dehors des heures travaillées, c'est-à-dire quand je dis les heures travaillées, ouais. C'est les heures de. J'avais 24 dates de présentation. Donc c'était. Donc, alors, voilà, on roule quand on n'est pas arrêté. Quoi. Quelqu'un comme toi, quand tu vois David Beckham en Amazonie, en triomphe, ça te fait quoi quand bah, c'est ça... un joli mannequin dans un joli cadre. Donc bon, voilà, ça me fait. Ça, je trouve que c'est si ça inspire des gens pour y aller, oui, il faut pas leur mentir, parce que l'aventure c'est pas, justement l'aventure c'est pas comme ça implique le dommage, le risque du dommage physique. Et donc on ne peut pas inspirer n'importe qui à faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que ce que je fais dans mes livres, c'est que j'essaie de dire oui, tu peux, ce que j'ai fait, tu peux le faire, toi aussi, lui aussi, tout le monde peut le faire, mais sous certaines conditions. Ton modèle d'aventure, c'est quelque part, il doit y avoir forcément une notion de mise en danger. Ah ben moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Alors, moi, j'ai par un exemple, problème... par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on voit des émissions qui sont très à la mode maintenant. On a En Terre Inconnue, on a Mike Horn, etc. Ouais, avec Adriana Carambeu. Avec Adriana Carambeu, qu'on a ouais, vu il n'y a, ça... a pas très, très longtemps. À la limite, ça, tu le classerais pas forcément dans le côté aventurier. Et non, mais c'est de la télé. Contre, voilà, par contre, un gars qui fait de la télé, mais qui l'émission, je crois, c'est J'irai dormir chez vous. Le gars qui est avec ses GoPro, ça aussi, c'est pour toi, c'est une notion d'aventure ou c'est bah là, ça c'est pas de la, ça c'est pas non plus, de, c'est pas de l'aventure, c'est de l'aventure, oui et non, c'est-à-dire que c'est de la débrouillardise. Pour moi, la débrouillardise, ça va de concert, mais c'est pas la débrouillardise. C'est une résultante c'est pas, de l'aventure. L'aventure, tu mets ta vie en jeu. Donc après, tu as une relation, un rapport au danger qui est particulier. Moi, j'ai un rapport à la peur qui est particulier, c'est que j'ai pas peur. Et donc, j'ai pas de peur, j'ai très peu de peur. Et en fait, peur, ce qui est important pour moi, donc le danger, je le mesure pas toujours. Et donc, pour le mesurer, je me fie beaucoup, j'observe beaucoup les gens qui sont autour de moi. Et si j'ai un Inuit qui me fait une drôle de grimace quand il me voit partir là-dedans, je me dis ouais, fais gaffe quand même, il y a du risque. Il m'est arrivé de passer le cercle polaire arctique justement après entre Eagle Plain et Inuvik. Et j'arrive, je vois un 4x4. On m'avait annoncé l'ouverture de la route. L'ouverture de la route fermée pendant 2 jours, moins 50, des vents à 120 km/h. Donc ça veut dire que même pas en rêve tu y vas, parce que les températures ressenties sont trop fortes et que le danger, il est extrême. Si il t'arrive quoi que ce soit, tu es sûr d'être mort. Sandrine, dans le chapteur, est-ce qu'il y a des aventuriers dans le chapteur du Val-de-Vienne? De mémoire, je ne crois pas. En tous les cas, ça, sûrement pas à ce niveau-là. Je suis très admirative de ce que tu y fais, parce que c'est une superbe aventure. C'est une vraie aventure à part entière avec un grand A. Vous vous sentiriez de piloter la Harley de non, 500 kilos dis, de, non. De... Mais moi non plus. Hein. Moi, je serais plus dans les peurs que dans la mesure du risque, mais ça, c'est sûr. Après, l'aventure, elle se mesure en fonction aussi de la sensibilité de chacun. Le fait de dire, comme tu oui. nous l'as expliqué en début d'émission, de partir à Prague... Ouais. C'est pas galvaudé, mais quelque part, être, c'est une aventure. Ça peut être voilà, mon aventure, effectivement. Chacun voilà. vit son aventure. Eric, qu'est-ce qu'il faut pour être un aventurier? Quelle qualité il faut? Quelle machine il faut? Je pense que c'est déjà dans l'état d'esprit. Il faut être fait pour ça un peu, parce que ça demande un investissement total. Je parle de l'aventure dans laquelle le pronostic vital peut être engagé, donc ça demande une implication totale, donc une connaissance tout de même du cadre,
d'avoir dans ses éléments de créativité une bonne confiance en soi et d'avoir des solutions pratiquement à... Il faut savoir sans arrêt, je pense, avoir son plan B. Il n'y a pas forcément une moto type. Et la moto, je pense que c'est la moto qui te convient, c'est-à-dire c'est celle avec laquelle tu veux partager ton histoire d'amour, tu vois. Donc c'est celle qui te fait du bien, c'est celle avec laquelle. Et puis bon, si elle est solide, c'est mieux parce que ça t'évitera de bricoler et de trouver des solutions tout le long du voyage parce que tu vas casser quatre cylindres. Merci Eric, merci d'être venu, merci d'être venu avec ta moto, merci Sandrine, Eric. On va conclure cette émission. Ouais, moi je suis plus calme. Hein. T'es plus calme. Moi l'aventure, ça va être de reprendre ma moto et de rentrer à Paris sans carénage, sans protection. Voilà, et ben bonne aventure à toi. Chacun voit midi à sa porte. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sans concession. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker cette émission. Et à bientôt sur Sans Concession. It all started when four guys put a motor in a frame and took off to see how far they could go. The revolution's been rolling ever since. 115 years later, a new wave of freedom is rolling into the world. 9 totally reinvented Softail models, each one with a custom attitude and a ride all its own. Welcome to the next custom revolution. All free spirits are invited to take a test ride.